Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous avancer avec vous matin pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous vite au BCT tout pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci pour une nouvelle journée qu'on accorde nous Seigneur Dieu. Alors que nous voulons étudier par nous, qu'on capable imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capable comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin avec nous dirigez-nous. Nous pas monde pas dire nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs. Nous avons étudié 9e leçon qui gagne pour titre une vie de sagesse. Une vie sagesse. Verset à mémoriser, nous jeûnons dans Éphésiens 5, verset 15 à 17. Il dit comme ça, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, mot circonspection, je nous t'ai dit déjà, livre dit avec retenue. Ça veut dire faut qu'on pense soit fait, faut pas agir à la hâte, mais faut qu'on prend sang. Ne soyez pas inconsidéré, c'est comme si on te dit que ou doué, c'est même sens là que le gagner, ou doué faire attention avec ça ou fait, ça veut dire pas supposé un monde qui vague, mais plutôt un monde qui réfléchit, qui prend temps pour bien planifier tout acte que l'a posé. Pour journée aujourd'hui, qui c'est dimanche 20, ou titre son, c'est qu'on attend plutôt des actions de grâce. Eh bien, je pose une question. Eh bien, si nous voulons traduire titre son en créole, qu'on attend plutôt des actions de grâce, plutôt c'est des actions de grâce que nous tendez. Eh bien, je commence par poser une question. On dit, en quel sens Paul espère-t-il que les croyants soient des imitateurs de Dieu? Eh bien, dans qui sens que Paul lui-même lui voulait que croyants soient capables des imitateurs de Dieu? Eh bien, nous capables lire ça dans Éphésiens 5, versets 1 et 2. Ensuite, nous capables lire commentaire que vous faites pour nous capables comprendre qui ça et Paul lui-même lui voulait expliquer. Eh bien, Éphésiens 5, verset 1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est-à-dire, nous devons des imitateurs de Dieu, même gens avec des timounes. Parce que nous par et timoun yo toujours gen tendance faire ça ou parents yo a fait surtout les timoun yo petit yo fait capable prendre yo gen 2 3 ans c'est dit ça que reproduit dans cas là c'est lui même tout que eux même yo reproduit et mais c'est dans ça ça que et bon Dieu lui même et Paul lui même lui mandé pour nous ta capable des imitateurs de Dieu même avec des enfants parce que timoun nan li même li juste obéi à parole li pas questionné et sa parle Abdil les li nan l'âge 1 2 3 ans et c'est comme ça que ça y est et non verset 2 il dit marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur et bien nous devons marcher dans la charité et bien charité nous on li doit à l'exemple de Christ. Ça veut dire charité, c'est pas une charité comme des cas de ça m'a bail pour mon faire pour mon ouais, mais son charité qui même j'avec charité que Christ lui-même l'exprimer à travers la croix. On regarde qui commentaire que vous fait à présent sur le son matin. On dit que Paul exhortait croyant Éphésiens pour marcher dans la charité. Son appel qui est important. OK, dans section ça dans chapitre là, qui c'est chapitre 5 là. Je dis nous et marcher dans charité ça c'est à travers l'amour de Christ pour nous-mêmes parce que et charité que nous devons gagner son charité qui même j'ai avec charité que Christ gagné c'est-à-dire même j'ai Christ nous lit baili en tant que sacrifice expiatoire les nous a fait un monde cadeau bien les n'a exprimé la charité faut que son bail qui désintéressé c'est pas parce que moi pral et fait mon ouais que ma bail pour dire frère ça remet bail mais c'est on charité côté que même Jean nous remet dit ça ça main droite baille main gauche pas besoin qu'on ait je dis nous charité ça lui motive à la fois par l'amour de Dieu le Père et le Christ lui-même je dis nous et charité ça lui substitutif qui ça ça veut dire Christ mourit dans place nous Jésus-Christ n'est pas en victime passif mais li livrer le pour nous. Là parlez-nous de charité pour expliquer nous charité Christ. Christ pas en victime passif. Qui c'est en victime pacifié? Là que par exemple, il y a différence entre là que ou choisi font bagaille avec que et ou juste fait. Par exemple, la mort de Christ c'est pas on va aller juste faire mais son va aller choisi fait.
Et bien des fois nous te capable dire leur exprimer la charité ou pas de faire par obligation mais ou doit faire parce qu'on voulait faire. C'est même genre avec dîme avec offrande. Ou supposé bailler dîme avec offrande de bon cœur. C'est pas parce que yo dit faut payer, offrande ou bailler offrande. C'est pas parce que yo dit faut qu'ou partager ensemble avec monde qui pas gagne ou juste partager. Non, mais faut que c'est réellement ça c'est dans cœur li sorti. C'est ça que fait on dit nous que c'est doit un acte d'amour même Jean-Christ même il te fait sous la croix. Yo dit nous dans contexte service sanctuaire et dans l'Ancien Testament, la mort de Christ, c'est un sacrifice à Dieu. Un sacrifice que bon Dieu lui-même accepté puisque c'est offrande que lui est. Pas oublier que bon Dieu, les nous balions bagaille, faut que son offrande que lui est. Ça veut dire, c'est pas même genre, Caïn était fait, et côté que il était juste bail sale, pas de besoin. Mais une offrande, c'est un bail côté que qui vient avec cœur. Une offrande, son bagaille, c'est ça fait la fond, mon cadeau bagaille. C'est pas ça que vous pas besoin pour faire le cadeau, mais c'est ça que ou même ou pire mais ou bien c'est ça que ou senti qui t'a fait plaisir. Sous ta même bar mon chemise que son chemise, c'est plus belle chemise ou qu'on est chemise ça lui t'a fait bien ou remel ou voulait le faire tel bien tout. C'est pas parce que ou pas mettre lui trop petit pour ou pas besoin ou bail, c'est pas ça que lié. C'est ça qui fait différence entre yon simple bagaille qu'on bail avec yon offrande. Et Éphésiens 5 verset 3 à 5 li introduit ensuite une section qui exprimait et côté que Paul exprimait inquiétude li pour et ça relait éthique sexuelle. OK, jeune converti yo risqué pour yo inverser vocation chrétienne yo et pour entraîner à nouveau dans un comportement sexuel qui cap affecter témoignage chrétien. En nous li Éphésiens 5 verset 3 à 5 pour nous comprendre plus qui ça Paul veut dire là. Éphésiens 5 verset 3 à 5 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5, car sachez le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Eh bien, il a parlé de impudicité, il a parlé de tout ce nous t'es capable de dire et tout ça qui a un rapport avec sexe. C'est-à-dire tout ça qui est impudique, tout ça qui pas une pudeur. OK? Nous capable citer fornication, nous capable citer adultère, nous capable citer toute forme de déviance sexuelle, OK, que chrétien pas doit gagner la caille. Ensuite, on parlait de cupidité. Cupidité l'aime li gen rapport avec monde qui remet l'argent. OK? Donc c'est ça que Paul lui-même l'a exprimé dans Éphésiens 5 verset 3 à 5 parce que il dit monde qui a prend pas bail ça yo pas gagne place yo dans royaume ciel là. Et bien, et Paul dit que les jeunes convertis d'Éphèse eux-mêmes OK, yo risque pour inverser vocation chrétienne yo et pour entraîner à nouveau dans un comportement sexuel qui affecte témoignage. C'est ça que fait puisque bon Dieu relé, il faut que changer toute mauvaise pratique sexuelle que tu connais faire avant. Dis-nous d'une part monde gréco-romain dans le premier siècle, il était caractérisé par la corruption morale, la débauche. OK? Que nous capable dans 1 Corinthiens 6 verset 9, dans Galates verset 19, Éphésiens 4 verset 17 à 19, dans Colossiens 3 verset 5. C'est dit par exemple les riches qu'on a fait banquet ou qu'on a fait fête et ils ont gagné et ils ont pile débauche. OK, et mais c'est ça que Paul lui-même lui voulait dénoncer dans Éphésiens 5 verset 3 à 14. Puisque Paul connaît que Éphésiens t'a vivre dans période gréco-romaine là. Eh bien, il connaît que qui gens étaient qu'on vivre longtemps. C'est ça qui fait lui et dit au pour faire attention. Par exemple, il mentionnait ivresse. Et c'est dit les mounyo sou, il mentionnait discours ridicule, c'est dit on va parler bagaille qui sans sens, bagaille qui terre à terre. Divertissement risqué et acte immoraux. OK, divertissement risqué, ça veut dire peut-être qu'on va parler de jouet hasard. Et on a parlé de acte immoraux, que ce soit homosexualité, mais toute forme d'impureté, OK,
sodomie, tout bagay sa yo. En outre, yo di nou, nan sant urbain, sa yo di, kote nan vil yo, yo te favorize, et sa ki ele l'anonymat et la permissivité. Ok? Sa yo di ke nan vil yo, sa yo di moun nan te gen doa, et li son moun ki tre reconnu, men gen kote l'ale, li al reglon se de bagay moun pa konnen. Ok? Et ça te facilite pratique sexuelle immorale. Ça dit mon n'était non père de famille là, puis tout la long côté, puis tout gon côté, côté yo on côté li aller et puis tout, et pas ka connait identité, puisque pas ka connait identité, li fait ça livrer, li livrer la des pratiques et sexuelle immorale. On dit d'autre part plusieurs personnes même dans société ça je t'ai mené en vie vertueuse, je t'ai défendu yon moral strict. Ok? C'était yon référence à période gréco-romaine hein, dans le Nouveau Testament. Côté que nous voyons que c'est par rapport à ça que Paul lui met yon liste de vices ou de vertus ou bien de normes de bonne conduite au foyer. Par exemple, dans Ephésiens 5, verset 21 et Colossiens 3, verset 18. C'est là que Paul lui-même, c'est par rapport avec situation que moun sa okijan yon tap vive. Qui fait que li te dit Paul te ba yon liste de vertus avec yon liste de vices que moun sa ou te gagné. Eh bien, yon dit nous moun sa à la fois immoral et vertueux li aide pour expliquer exhortation que Paul lui-même et li te évité et Corinthien yo pour pas gagner yon comportement immoral que païen yo t'a pratiqué mais li te souhaité que yo gagné et yon comportement qui agréable à Dieu. OK, de manière à ce que yon capable gagner une bonne réputation parmi les étrangers. Et ben nous voyons que réputation li vraiment important au sein de l'église, chers frères et sœurs. Les ou de l'église là, en plus tout ou décider marcher jongler. Les ça, yon pas dire c'est ou même non, yon a dit c'est adventitio. Mais sous bon comportement qui adéquat parce que ou bon l'évangile pour prêcher à travers et façon koyé à travers action. Parce que l'autre dehors, il met toi pas dit rien, il a suivre qui joue à comporto et c'est ça qui va utiliser, il va utiliser tant coup une sorte de cap dit, une occasion pour critiquer l'œuvre, pour critiquer l'église en général. Pour finir, Paul pose une question. Il dit en quoi les paroles de Paul sur le comportement sexuel s'appliquent-elles à votre culture où vous viviez? En qui sens que comportement sexuel que Paul y a parlé là, il appliqué à la culture qu'on a vivre là. Oui, il est très appliqué. Ces jours-ci, il y a des pratiques qui pas bon. Et il y a des pratiques qui c'est même genre homosexualité yo. Par exemple, il y a des monde qui livrer avec des activités sexuelles contre nature, même avec madame yo, même avec mari yo, il y a des bagages qui a fait, c'est des bagages qui contre nature. C'est le bail bon Dieu, li met en garde contre eux-mêmes. Eh bien, nous voyons que kounya là, c'est très populaire que moun a fait ça. Pas besoin de citer qui ça, mais plus ou moins nous voyons qui ça li. C'est tout usage sexuel qui est différent de usage que bon Dieu lui-même li mette pour faire au fond l'autre. C'est bagay qui pas bon. Eh bien, nous voyons que te gen tan sa bagay sa on a tan Ephésiens, bien encore journée jodi a. Bagay sa voulait entrer dans l'église. Chers frères et sœurs, bon Dieu li bon et des marches à suivre dans sexualité dans toute bagaille. Ça veut dire que faut qu'on veille à ce que et réellement on fait volonté bon Dieu dans toute bagaille. Mais c'est comme ça que nous présentons le son matin qui t'est gain pour titre qu'on entende plutôt des actions de grâce. Nous invitons à baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu papa nous qui dans celle-là. Merci parce que parole qui doit sortir dans bouche nous c'est des paroles d'action de grâce. C'est pas des paroles viles Seigneur, c'est pas des paroles insensées. Seigneur Dieu, action nous yo de cadrer avec moun nou ya Seigneur. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capable changer Seigneur. Gen de mauvais traits de caractère dans nous, gen des bagages nous fait Seigneur Dieu qui contre ta volonté. Même dans notre intimité gen des bagages nous fait Seigneur que ou pas prendre plaisir là-dedans Seigneur. Et bien aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capable changer parce que ou rentrer dans tous les détails. Et bien Seigneur Dieu, cet esprit qui c'est temps nous qui c'est temps pour Seigneur et corps nous qui c'est temps pour cet esprit qui en dans nous. Et mais Seigneur du fond, œuvre pour nous pas attrister. Là, avec nous, dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire nous bien comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois, chers frères et sœurs. Merci parce que vous toujours étudiez avec nous. C'était Foy Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.